Salam alaikum, bonjour. Lyoum inshallah, on va faire un très bon cake marbré à la banane accompagné d'un smoothie fraise bleuée. J'ai déjà une autre recette de cake à la banane. Ça fait à peu près 2 mois ou là, 1 mois et demi. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la boîte de description. نبدأ بسم الله. عندنا 3 bananes bien mûres. انا عندي 2 bananes mûres et une banane qui n'est pas assez mûre, c'est pas grave. Mais de préférence les bananes iconos mûres. On va les écraser. انا je fais exprès من écraserهمش مليح. نخلي quelques morceaux يبانو باش يبانو لي في le cake. J'ai 115 g de beurre fondu. Et d'une quantité de 130 g de sucre roux. Et à la recette d'origine, il y a 150 g de sucre, mais il y a une restriction à la quantité, j'ai trouvé que c'est beaucoup. Et nous pouvons bien sûr mettre le sucre blanc à la place du sucre roux. Nous ajoutons un gros œuf, babet kbira. Zid une cuillère à café de levure chimique, 1/4 de cuillère à café de bicarbonate, 1 cuillère à café de vanille et une pincée de sel. On ajoute 130 g de farine en 2 ou 3 fois, bien sûr tamisée. J'ai divisé la pâte taille et le cake en 2 parts égales, je pense 326 grammes. Et de la première part, on ajoutera 35 g de farine tamisée ou une pincée de cannelle. Et la deuxième part, on ajoutera 20 g de cacao tamisé. De l'ajout, c'est facultatif, on ajoute 50 g de pépites de chocolat. Donc, j'ai tapissé un moule à cake avec du papier sulfurisé. On mettre la pâte à cake en alternant les faire le cacao, la pâte à cacao, la pâte les faire la cannelle. On va mettre une deuxième couche. C'est-à-dire pour la pâte le béda, on dit la pâte au cacao, pour la pâte au cacao, on dit la pâte béda. Vous pouvez faire un moule carré de 18 par 18 cm. Dans ce cas, mais il dit 2 couches, il dit une seule couche. Voilà avec le cake d'y aller. Donc j'ai utilisé un pic à brochette pour donner un effet marbré. Le cake était à 170 degrés Celsius de 45 à 50 minutes. Voilà, donc on va faire le smoothie d'Ali pour accompagner le cake. J'ai utilisé des fraises et des bleuets. Il n'y a pas les bleuets, on peut les faire avec les fraises et les jibnines. J'ai rajouté un grand verre de lait.
J'ai rajouté Tenekin demi. Personnellement, c'était 2 cuillères à soupe de sucre parce que je n'aime pas les smoothies trop sucrés. Donc, c'est au goût. Juste un conseil, le smoothie se prépare juste au moment de la dégustation parce que les fruits font l'acidité ou avec l'acidité très sur le halib. Donc, il a qu'à un moment, il va trancher ou il met le ma ou le halib. Donc, on dirait qu'il chaud le halib. Avec les smoothies fraises bleuées. Pour les enfants, de l'homme la chantilly. Pour moi, je préfère sans. Et voilà le cake marbre et taille. C'est très bon et c'est très nutritif, surtout pour les enfants. Inch'Allah, je vous remercie les recettes les khayrt hom l'yom. C'est beau la liste des ingrédients dans la boîte de description de la vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.